Donc on avait bien dit situation d'accident, on a entendu ce crash de vélo, cette personne accidentée, alors qui malheureusement n'a pas eu le temps d'éviter une portière qui s'est ouverte. Et puis les premières personnes qui sont sur place, ils vont venir intervenir. Ça sera toujours comme ça au début, ça va être des gens qui sont à côté, des passants, qui vont venir intervenir. Alors là on se retrouve avec une victime qui a chuté à vélo, donc qui est allongée au sol, qui présente un saignement au niveau de la jambe. Donc je pense que de là où vous êtes, vous voyez qu'il y a du sang partout, il y a une flaque de sang autour. Et puis elle est tombée. Donc les témoins, quand ils sont arrivés, qu'est-ce qu'ils sont venus faire? Il y en a une qui est venue protéger déjà, qui est venue s'installer proche de la route pour être sûr que personne n'arrive derrière et qu'il n'y ait pas d'autre accident. Pendant ce temps, les deux autres, ils se sont approchés, ils sont venus s'occuper de la victime. Il y en a une qui est venue appuyer sur l'endroit qui saigne. Donc la victime qui saigne est en train de se vider de son sang. Donc évidemment, sa vie, elle est menacée à très court terme si on ne fait rien. Donc une des deux est venue appuyer sur la plaie. L'autre est venue discuter avec la victime. Et alors, qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là? Eh bien, forcément, on va venir appeler les secours. J'appelle le SAMU, le 15. Oui, SAMU 31, bonjour. Oui, nous avons une victime qui est tombée à vélo. Elle s'est pris la portière d'une voiture. Une dame ne l'a pas vue. Elle a une hémorragie à la jambe gauche. On est en train de faire une compression. D'accord. Alors, vous inquiétez pas, on va s'occuper de vous. Vous êtes à quel endroit, là? On est à Saint-Jean, au collège Romain Rolland, à côté du bâtiment E, dans la cour. D'accord, vous m'avez dit que la personne était tombée à vélo, c'est ça? Oui, elle est tombée à vélo. D'accord, alors elle est allongée au sol là? Oui, elle est allongée. D'accord. Bon, bah écoutez, je vais vous envoyer tout de suite une équipe de secouristes qui vont venir sur place la chercher. Est-ce que vous pouvez envoyer quelqu'un à l'entrée et les accueillir? Oui. Ça marche, vous restez auprès de la victime, vous continuez à lui parler, s'il y a le moindre problème, vous nous rappelez, d'accord? D'accord. Allez, vous pouvez raccrocher, merci. Oh. Alors voilà, une alerte au secours qui vient de passer, on voit que ça va assez vite, hein. On a bien dit où est-ce qu'on était, on a expliqué la situation, et puis on va venir ensuite rassurer la victime en attendant que les secours ils arrivent. Alors, en moyenne, les secours ils vont mettre à peu près une dizaine de minutes avant d'arriver. En fait, 10 minutes, ça va être très 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 long. Quand on attend, ils ont beau se dépêcher avec des gyrophares, le pimpon pour aller plus vite, bah, il n'empêche qu'il va falloir entre 5 et 10 minutes le temps qu'ils arrivent. Donc on va les entendre arriver au loin, on imagine, hein, ils se dépêchent, on va accélérer un petit peu parce que 10 minutes, ça va être un petit peu long sinon. Et en attendant qu'ils arrivent, eh ben, nos secouristes sur place, les premiers témoins, ils sont encore en train de rassurer la victime, de continuer à lui parler, à lui expliquer ce qui se passe. Alors ça tombe bien, il y avait un témoin à côté qui va venir accueillir les secours. Donc là, vous avez une équipe de secours qui arrive avec une ambulance. Donc c'est une équipe qui est constituée de 4 secouristes, vous allez voir, ils vont pas tarder à descendre. Ils vont descendre de l'ambulance, ils ont tout le matériel à bord pour s'occuper d'une victime, quelle que soit la situation, quel que soit l'état de la victime. Donc ils vont venir intervenir, venir s'occuper de cette victime. Alors pendant que 2 personnes viennent se rapprocher, s'occuper de la victime, un 3e secouriste va venir compléter la protection qui avait été faite, continuer à baliser en installant ben là ce qu'il avait à disposition, donc il est venu installer des cônes pour protéger. Alors nos secouristes qui sont venus s'occuper, donc qui sont gantés avec tout leur matériel, il y en a un qui est venu maintenir la tête de la victime. Alors il y a une raison très simple là-dessus, c'est que quelqu'un qui est tombé, on se dit qu'il a pu se casser quelque chose. Alors il aurait pu se casser la jambe, le bras, mais il a aussi pu se casser quelque chose au niveau de la colonne vertébrale, voire au niveau de l'arrière du cou, au niveau des cervicales. Donc l'objectif d'une personne qui est tombée, ça va être de la faire bouger le moins possible. Cette personne-là, il faut pas qu'elle bouge. D'ailleurs, vous allez voir que tout au long de l'intervention, à aucun moment on va faire bouger cette personne. Alors ces secouristes, du coup, ils ont remplacé les 2 témoins qui étaient sur place, qui avaient commencé à intervenir. Et puis à leur arrivée, ben, le chef d'intervention, donc, qui est le grand chef de l'équipe, il va passer un message pour prévenir qu'il est bien arrivé. Préparation de sérénité. Oui, transmettez. On prend en charge une victime d'une douzaine d'années. Qui est tombée à vélo. Elle est consciente, elle a une hémorragie au niveau de la cuisse gauche. Les équipiers font les premiers gestes et nous comptons un bilan. À vous. C'est reçu, terminé. Donc ça va être un message très court, bah juste pour prévenir les personnes qui les ont envoyées sur place qui sont bien arrivées, d'accord, qui sont en train de s'occuper de la victime. Donc la situation. Alors là, on va détailler maintenant un petit peu les gestes de premier secours qu'ils sont en train de faire. Alors on a vu que Yannick, donc celui qui est au niveau de la tête de notre victime,
maintient cette tête. Les deux autres secouristes sont en train de s'occuper du saignement de la victime. Donc elle saignait au niveau de la jambe. Ils sont en train de mettre un système de pansement qui va comprimer à l'endroit qui saigne, donc à l'endroit de l'hémorragie, pour stopper ce saignement et empêcher le sang de sortir de cette plaie. Donc ils sont en train d'installer ça, on appelle ça un coussin hémostatique d'urgence, donc quelque chose qui va venir appuyer sur cette plaie pour remplacer ce que notre premier témoin faisait au début directement avec sa main. Alors, ils sont en train de finir d'installer ce tampon relais, ce coussin hémostatique. Pendant ce temps, Laure est en train de préparer ce qu'on va appeler une administration d'oxygène. Alors le principe à nouveau, il est simple, c'est qu'une personne qui a perdu du sang, elle a moins de sang dans son corps, donc potentiellement elle peut se sentir mal cette personne, elle peut faire un malaise. Pour éviter ça, on va lui mettre un masque au-dessus de la bouche et du nez pour qu'elle respire de l'air enrichi en oxygène. Donc il y a une bouteille d'oxygène dans le gros sac bleu là, et c'est de l'air 100% d'oxygène qui est en train de sortir et que la victime va respirer, justement pour éviter une aggravation, éviter que cette victime se sente mal. Alors, donc on s'est occupé de l'hémorragie, on a stoppé le saignement. Je vous avais dit aussi, la personne elle est tombée, elle s'est peut-être cassée quelque chose. Donc il va falloir venir l'immobiliser. Et c'est là où un équipage de secourisme, alors que ce soit les pompiers, la Croix-Rouge, ils vont avoir plein de matériel qui vont permettre d'immobiliser la victime, donc de la maintenir dans la position où elle est, afin de pouvoir ensuite la transporter à l'hôpital. Donc pour ça, ça va se dérouler en plusieurs étapes. La première, ça va être de retirer le casque de la victime. Parce que vous avez bien vu, elle faisait un vélo avec un casque, donc ça c'est une très bonne chose. Le casque, ça va permettre de protéger sa tête s'il y a une chute, donc pendant l'accident. Sauf que le casque, on ne va pas lui laisser sur la tête jusqu'à ce qu'elle arrive à l'hôpital. Donc ça va être l'équipe de secours qui va retirer ce casque de protection. Et ça va être uniquement l'équipe de secours qui va le faire. Parce que c'est un geste en fait qui est difficile à faire, qui est très technique, donc qui doit être fait forcément à deux, au moins à deux secouristes. Donc il faut être formé, entraîné. Ils vont faire ce geste-là pour retirer le casque sans faire bouger la tête de la victime. On se rappelle, à nouveau, c'est l'objectif, hein. Il faut que cette victime elle ne bouge pas. Donc pendant que l'un retire le casque, l'autre maintient la tête, ce qui va permettre de le retirer le plus délicatement possible. Et ça, sans faire bouger la tête de la victime, sans faire bouger son cou. Alors une fois que ce casque il est retiré, on va venir en mettre en place un collier cervical. Ça va être un collier qu'on va mettre autour du cou et qui va permettre d'immobiliser le cou de la victime. Alors bien sûr, en fonction des victimes, il y a différentes tailles de collier, donc il va falloir mesurer la taille qui correspond. Là, on va mettre un collier assez petit, qui va être exactement la taille de son cou, pour éviter que cette victime fasse bouger son cou et aggraver une lésion au niveau de la colonne. Alors c'est un travail qui doit être fait très délicatement, puisqu'à nouveau, il ne faut pas faire bouger la victime. Donc on voit qu'ils font ça tout doucement, en essayant d'être très synchronisés les uns avec les autres. Ils ont installé ce collier cervical, ils vont venir installer donc le masque à oxygène au-dessus de la tête de la victime, au-dessus de son nez et de sa bouche, pour qu'elle respire cet oxygène. Et puis là, il va commencer toute une série de questions à poser à la victime, de paramètres à mesurer, ils vont vérifier le pouls de la victime, si son cœur bat correctement, ils vont vérifier la respiration de la victime, ils vont prendre sa tension, ils vont vérifier que la victime a suffisamment d'oxygène dans le sang. Ils vont lui poser aussi plein de questions pour essayer de savoir si au niveau neurologique, donc au niveau des souvenirs de la victime, de ce qui s'est passé, il n'y a pas une atteinte suite au choc, suite à la chute que cette victime a faite. Donc tout ça c'est plein de questions, c'est ce qu'on va appeler le bilan de la victime. Alors ça va être essayer de savoir si elle se rappelle de ce qui s'est passé, si elle peut toujours bouger les mains, les pieds. On va venir ensuite vérifier donc à quel rythme bat le cœur. Vous savez, comme vous, quand vous avez couru et que vous vérifiez votre cœur à combien il bat sur une minute, vous devez faire ça en sport, j'imagine. Vérifier la respiration. Et puis on va venir vérifier aussi que la victime elle a aucune autre lésion. Parce qu'elle est tombée, elle saigne de la jambe, elle s'est potentiellement cassé quelque chose au niveau de la colonne, mais on va vérifier aussi qu'elle s'est pas fait mal à un bras, qu'elle s'est pas fait mal à une jambe. Donc on va venir découper les vêtements. Donc là, vu qu'il y a eu un choc violent, on va pas hésiter, hein, il faut qu'on aille voir vraiment visuellement s'il y a un endroit où il y a quelque chose d'abîmé. Donc on va venir découper les vêtements au niveau des jambes, vérifier s'il n'y a pas un endroit où ça peut être cassé, où il y a une coloration, où il y aurait une déformation, ou un autre saignement qu'on n'aurait pas vu dès le début. Donc on voit, il y a des secouristes qui sont en train de chiffrer la ventilation, donc de compter combien de mouvements respiratoires sur une minute à notre victime.
un autre prend le pouls. On va venir également poser une couverture de survie sur cette victime. Donc c'est cette couverture métallique là, dorée, qui va avoir un effet très simple, c'est d'éviter que la victime se refroidisse. D'accord ? Une victime qui est tombée, qui s'est fait mal, qui a perdu du sang, elle va rapidement se refroidir, donc le corps va diminuer en température. Et pour éviter ça, on va nous la couvrir rapidement pour éviter cette baisse de température. Alors pendant qu'ils sont en train de noter toutes ces informations-là, donc toutes ces informations-là, elles sont importantes tout simplement parce que ça nous permet de vérifier l'état de la victime. De vérifier si ça nécessite qu'on l'amène très rapidement aux urgences, si ça nécessite qu'il y ait un médecin qui vienne directement sur place, ou si on a le temps de s'occuper de cette victime, de l'installer ensuite sur un brancard pour la ramener, etc. C'est pour ça que c'est important qu'il y ait toute cette phase de recueil d'informations qui est faite par l'équipe de secours. Alors quand ils auront terminé ce recueil d'informations, le chef d'intervention, alors là on a mis une femme en chef d'intervention, donc Laure, elle va venir transmettre au niveau du SAMU, donc au niveau de la régulation médicale, le bilan de la victime, pour venir leur expliquer ce qui s'est passé, dans quel état est la victime, et puis surtout pour prendre les consignes suivantes sur le devenir de la victime. En fait, c'est le SAMU qui va décider s'il faut transporter la victime, par quel moyen on va le transporter, comment on va l'immobiliser, et vers quel hôpital on va envoyer cette victime-là. Parce qu'en fonction des blessures de la victime, on va l'envoyer sur tel ou tel hôpital pour qu'ils aient le service le mieux adapté. Donc elle est allée transmettre son bilan, et puis en fonction de l'état de la victime, le SAMU va demander à l'équipe de secouristes d'immobiliser cette victime, de la charger dans l'ambulance et de la ramener au niveau d'un hôpital. Alors pour ça, on va voir qu'il y a plein de matériel qui peut être utilisé, donc ils vont sortir ça de l'ambulance. Donc cet objectif, ça va être de relever la victime, de la mettre sur un brancard, sans qu'elle bouge. Alors vous doutez bien que si on n'avait pas de matériel, on ne pouvait pas faire ça. On peut faire ça que parce que c'est une équipe qui a du matériel de premier secours, qui est constituée, qui est habituée à tous ces gestes-là. Alors Yannick est toujours en train de tenir la tête de la victime, toujours en train de lui parler, de la rassurer, de lui expliquer ce qui se passe aussi, parce qu'on se doute bien que quelqu'un qui est tombé, il peut avoir très très peur de ce qui se passe s'il ne comprend pas et si on ne lui explique pas ce qu'on est en train de faire. Alors, donc on a, au niveau du matériel, on a un brancard roulant, donc qui est le brancard qu'on charge et qu'on décharge de l'ambulance. Et puis sur le dessus, on a venu installer ce qu'on appelle un matelas coquille ou un matelas à dépression. C'est un matelas, alors là il est mou le matelas, tout à l'heure vous pouvez venir voir le matériel si vous voulez toucher le matériel, voir ce que c'est. Donc là il est tout mou ce matelas, et en fait quand on va utiliser une pompe, un peu comme une pompe à vélo, sauf qu'au lieu d'envoyer de l'air, elle va aspirer l'air, et quand on va aspirer l'air qu'il y a dans ce matelas il va devenir tout dur. Donc il va immobiliser la victime, il va devenir rigide en immobilisant la victime, donc en englobant la victime dans la position où elle est. Alors la difficulté, forcément, ça va être de mettre cette victime qui actuellement est allongée par terre, ça va être de la déposer sur ce matelas. Donc pour ça, nos quatre secouristes, ils vont faire ce qu'on appelle un pont. Donc ça va se faire à quatre, même si la victime n'est pas très grande, pas très lourde, on va s'y mettre à quatre. Et l'objectif, ça va être de la soulever sans la faire bouger, et de faire passer le brancard sous elle. Alors pour ça, certes, ils sont quatre, c'est déjà pas mal, quatre. Sauf que c'est une technique qui va nous demander en fait d'être à 5. Alors là, vous allez me dire, mais c'est un peu embêtant, l'équipe de secours, ils sont que 4, il faut qu'ils trouvent un moyen de se débrouiller. Ils vont se débrouiller avec les gens qu'il y a autour. Donc là, ils vont profiter, ils vont trouver un témoin qu'il y a autour. Par exemple, le témoin qui tout à l'heure est venu s'occuper de la victime, le premier qui était arrivé sur les lieux de l'accident. Et ils vont lui demander de l'aider. Donc ils vont lui expliquer, ils vont lui demander de pousser le brancard aux ordres de l'équipier qui va être à la tête. Donc l'objectif, ils se mettent tous les quatre au-dessus et on va voir qu'ils vont venir soulever la victime sans la faire bouger. Le brancard va rouler entre leurs jambes et puis ensuite ils vont déposer la victime sur le brancard. Donc voilà, un relevage, la victime on l'a soulevée en la maintenant bien droite, bien l'axe du corps aligné, et puis on va venir l'englober dans ce matelas coquille. Donc venir entourer tout son corps avec ce matelas coquille,
et je vous l'avais dit, ben, on va venir aspirer l'air qu'il y a dans ce matelas coquille. Donc on l'assemble bien, la victime, et en aspirant l'air, le matelas va devenir rigide, donc tout dur, et la victime va être complètement enveloppée dedans, elle ne pourra plus bouger. Alors ça aussi, c'est assez angoissant pour une victime, hein, parce que du coup, elle est immobilisée, elle ne peut plus bouger du tout à l'intérieur. Mais l'objectif, à nouveau, c'est d'éviter que la colonne bouge pendant le transport. Donc ils vont continuer à bien aspirer jusqu'à ce que le matelas soit dur. Et là, la victime, elle va se retrouver bien conditionnée pour pouvoir être transportée. Alors on sait que quand on va la transporter sur la route. Donc il y aura des virages, il y aura des dodanes, des fois il y a des bosses sur la route. Tout ça qui risque de la faire bouger, l'objectif c'est que le fait de l'avoir mise dans ce matelas coquille, ça va empêcher la colonne de bouger. Donc bien conditionnée là-dedans, on va pouvoir la transporter sans aucun risque qu'elle bouge. Alors après cette manœuvre, évidemment, on vérifie qu'elle va toujours bien, la victime. Et puis on va venir ensuite relever le brancard et venir l'installer dans l'ambulance. Là, ils vont être prêts à partir ensuite vers un hôpital. Alors on a vu que là ça devient sportif, hein. Nos secouristes, il faut qu'ils portent les sacs, il faut qu'ils relèvent le brancard en même temps. Alors il y en a un qui allait ranger le matériel. Donc à nouveau, hein, l'objectif c'est de ne pas faire tomber la victime quand on va relever le brancard, sinon c'est pas très classe pour une équipe de secours. Donc ça va être fait délicatement, on va relever la victime, venir lever ce brancard. Alors toujours en s'arrangeant pour être bien synchronisé, d'accord. Les roues se verrouillent et là, ils sont prêts à l'amener dans l'ambulance. Alors pour rouler, ça va, hein, c'est assez facile. Alors c'est le moment de les applaudir. Hein. Là, ils ont sauvé la victime, ils l'ont immobilisé et ils vont partir avec la victime. Alors il aurait du travail quand même encore. Hein. Il faut la charger dans l'ambulance. Il va falloir toujours vérifier si elle va bien et puis après, il faudra partir, l'amener à l'hôpital. La descendre dans le sas des urgences de l'hôpital et puis la confier à l'hôpital, aux médecins qui sont sur place pour qu'elle soit soignée au niveau de l'hôpital avec tous les moyens qu'il y a là-bas. On va les laisser finir de charger cette victime pour qu'elle soit donc installée dans l'ambulance, toujours sans faire bouger cette colonne vertébrale. Ils ferment les portes et puis ça y est, eux ils sont déjà prêts à partir. Je vais vous demander deux petites dernières minutes d'attention avant qu'on clôture. Donc là on vous a montré en entier l'intervention d'une équipe de secours. Alors on a vu le rôle hyper important des témoins qui arrivent sur place, les premiers qui arrivent. Donc c'est pour ça que certains d'entre vous se sont formés cette année sur des petites initiations. Ah, ils aiment toujours beaucoup faire joujou avec le pimpon. Ça. Donc le rôle de nos témoins et puis ensuite l'intervention de l'équipe de secours qui va arriver en renfort. On va les laisser partir quand même. Alors ils sont gentils parce qu'ils nous ont laissé leur cône. Hein. Ils nous a... Je me disais bien qu'ils n'allaient pas les laisser sur place. Et l'équipe va comme ça pouvoir partir. Alors si vous avez des questions, si vous avez envie de voir à l'intérieur d'une ambulance comment c'est de venir toucher le matériel, de venir voir ce qu'on a comme matériel, si vous avez envie de discuter aussi avec les secouristes et avec les jeunes de l'équipe jeunesse de Saint-Jean, on gardera un petit stand pendant l'après-midi, donc là on sait qu'il va y avoir plein d'animations hein, sur l'après-midi, mais on garde un petit stand ici et n'hésitez pas à venir voir, à venir poser les questions, tout ça, pour savoir un petit peu ce qu'on fait à la Croix-Rouge, ce qu'on fait dans le secourisme, ce qu'ils font à la jeunesse. Vous renseigner un petit peu sur tout ça. Merci à tous.